dire merci pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons te dire merci pour ta présence par ton esprit. Tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Tu es merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta présence avec nous. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Nos mots ne sont pas suffisants, Seigneur, pour te louer. Nos mots ne sont pas suffisants pour faire monter tes louanges. Seigneur, mais reçois, Seigneur, de nos cœurs. Reçois ce parfum. Et nous prions, nous désirons qu'il te soit agréable. Que tu agrées, Seigneur, l'offrande de nos vies. Tu agrées ces sacrifices qui montent vers toi. Ah, Seigneur, pour te dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux, magnifique en sainteté, très digne de louange. Merci, Père. Il est écrit dans ta parole, dans le psaume 100, verset 4, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours. » Et sa fidélité de génération en génération. Bien-aimés, alors que nous sommes là ce matin, réalisons que réellement sa bonté dure à toujours. Réalisons que sa fidélité dure de génération en génération. La raison pour laquelle nous pouvons nous assembler ce matin pour prier, la raison pour le but, la raison pour laquelle nous pouvons être là assemblés, c'est parce qu'il a renouvelé ses bontés, il a renouvelé ses compassions. Ses compassions ne sont pas, ses bontés ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il le dit, il est écrit dans Lamentations, à 3, verset 22, 23. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que ce matin, si j'ai pu, si nous avons pu, si tu as pu te réveiller, c'est le fruit de ses bontés, de ses compassions. Si tu t'es levé, que tu as eu, que tu as deux mains, avec les deux mains, tu peux acclamer encore le Seigneur. Que tu as deux pieds avec lesquels tu peux marcher. Que tu as, tu as le souffle de vie. Nous avons le souffle de vie. C'est le fruit de sa grâce. Voilà pourquoi nous allons entrer dans sa présence avec des actions de grâce. Entrer dans sa présence avec reconnaissance. Entrer dans sa présence avec un cantique d'action de grâce. Oh, pour lui dire merci. Pour le remercier. Rababa shero yadera sote diabaha. Yerero shekara mama yanderosia. Yerero shekara baba santaya. Élevons la voix et disons merci pour la vie, merci pour le souffle de vie, merci pour les forces renouvelées, merci pour la vigueur renouvelée, merci pour, Seigneur, ce matin, tu as renouvelé la vigueur dans nos corps, tu as renouvelé le souffle de vie, tu as renouvelé la force, tu as renouvelé tes grâces et nous te disons merci. Tu n'étais pas obligé de le faire, tu n'étais pas obligé de nous donner un jour de plus, mais tu l'as fait. Il est écrit dans Jean 5, verset 21, en effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Seigneur, si tu as renouvelé la vie en nos corps ce matin, c'est le fruit de ta volonté et de ta grâce, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci. Si tu parles en langue, tu peux élever la voix en langue. Si tu parles par l'esprit, tu peux élever la voix en esprit. La Bible déclare, lorsque tu le fais, tu rends à Dieu d'excellentes actions de grâce. Il y a tant de sujets pour lesquels nous voulons te rendre grâce. Il y a tant de choses que nous ne pouvons pas compter. Nous prendrions des heures et des heures à te rendre grâce. Mais Père, pour ces quelques points pour lesquels nous te rendrons grâce, oh Seigneur, vraiment, nos cœurs sont reconnaissants. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Est-ce qu'on peut faire monter un parfum de reconnaissance?
Est-ce qu'on peut faire monter des lieux où nous sommes un parfum de gratitude? Rabaka, Rekoto, Rimaba, Roge, bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais je réalise qu'il y a plusieurs qui se sont couchés en bonne santé et n'ont pas pu se réveiller. Il y a plusieurs qui sont couchés en bonne santé et se sont levés avec des douleurs dans le corps, des douleurs dans les pieds, des douleurs dans les mains, des douleurs dans la colonne vertébrale, des douleurs. Il y en a qui n'ont même pas pu dormir, il y en a qui ont une insomnie, mais je ne sais pas, pour toi même au cœur reconnaissant, et puis quelle que soit la manière dont tu as passé ta nuit, quelle que soit la manière dont tu as commencé cette journée, bien-aimé, rends à Dieu d'excellentes actions de grâce. Tu nous as préservé, tu nous as préservé de la mort, tu nous as préservé, Seigneur, des ruses du diable qui voulait emporter plusieurs, tu nous as préservé et nos cœurs sont reconnaissants. Ah Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous allons élever la voix à mon frère, ma soeur, et dire merci à Dieu. Lui rendre d'excellentes actions de grâce. Merci pour la vie. Merci de ce que pour la joie qu'il met dans nos cœurs. Merci pour sa paix qu'il met dans les cœurs. Merci pour sa joie et sa paix disponible pour nous. Merci pour son amour. Merci pour la Bible. Il est écrit dans Romains 5:5 que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ah, il est disponible, disposé à en permanence déverser cet amour et nous voulons lui rendre grâce. Est-ce qu'on peut ensemble élever la voix et dire merci à la Russie? Ah Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci, ah merci, nous te disons merci, te disons merci, te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci, ah oui, nous disons merci. Pour le souffle de vie, te disons merci. Père, nous te disons merci. Te disons merci. Pour tes bontés renouvelées, te disons merci. Père, nous te disons merci. Te disons merci. Pour ta fidélité, te disons merci. Nous te disons merci. Te disons merci. Parce que ce matin, tu es là. Te disons merci. Merci pour ta présence. Tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Alors merci pour ta présence. Esprit de vérité. Merci pour ta présence. Ah, esprit de grâce et de paix. Seigneur, merci parce que tu es là. Ah, nous te disons merci. Merci pour l'atmosphère de ta présence. L'atmosphère de ta joie, Père. L'atmosphère de ta paix. Ah, l'atmosphère de ta vie, Arasoya, que tu manifestes au milieu de nous, Maraba, dans les lieux où nous sommes assemblés. Ce matin, Père, nous disons, oh, ah, nous te disons merci, Père. Nous sommes reconnaissants de ce que au quotidien, oh, tu envoies ta parole. Nous te disons merci, Père, Araba, pour les vies transformées, Ayaba, au quotidien par la révélation de ta parole, pour les vies éclairées.
par ta parole que tu envoies chaque semaine. Nous te disons merci, Père. Oh, nous te disons merci, Père. Charaba koraba, élève la voix et dis merci. Ah, bien-aimé, nous allons prier. Peut-être tu te demandes pourquoi est-ce que tu dois dire merci. Mais laisse-moi te dire que il y a tellement de sujets pour lesquels nous pouvons rendre grâce à Dieu. Il y a tellement de raisons pour lesquelles nous pouvons lui rendre grâce. Il dit dans Psaume 119, verset 130, « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Et nous reconnaissons dans cette maison que semaine après semaine, Dieu nous envoie sa parole. Et elle vient nous éclairer. Elle vient comme une lumière, une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Elle vient comme une révélation. Elle vient lever les voiles. Elle vient ôter les voiles, faire tomber les écailles des yeux. Elle vient délivrer de la fosse de l'ignorance. Ah, pour conduire vers la connaissance de Dieu. Ah, nous allons élever la voix et rendre grâce à Dieu pour la révélation de sa parole. Pour la révélation de sa parole qui éclaire. Nous te disons merci, Père, nous te disons merci. Nous te disons merci pour la révélation de tes paroles qui nous éclaire. Pour la parole que tu envoies dimanche après dimanche. Pour la parole que tu envoies semaine après semaine. Ah, merci pour la qualité de ta parole. Merci de ce qu'elle ne vient pas pour caresser, non. Ah, tu dis ta parole, elle est efficace. Elle est tranchante qu'une épée à double tranchant. Pour séparer âme et esprit, jointure et moelle. Et c'est ce que ta parole fait dans nos vies au quotidien. Oh oui, nous te disons merci. Pour ta parole qui juge les sentiments des cœurs, Père. Ah, Seigneur, merci parce que lorsque tu l'envoies, tu ne l'envoies pas pour condamner, mais tu l'envoies pour sauver. La parole qui est suffisante pour sauver nos âmes, pour la parole qui est suffisante pour nous désaltérer, pour ta parole qui est suffisante pour nous transformer, pour ta parole qui est suffisante pour produire un fruit digne de toi. Oh, nous te disons merci, Père, pour ta parole qui vient pour délivrer de la fosse. Oh, de la fosse, de la peur, de la fosse, du filet de l'oiseleur, de la fosse de l'impureté, de la fosse des souillures, Père, nous te disons, de la fosse de l'apostasie, te disons, mais parce que tu envoies ta parole, pour délivrer de la fosse, des fosses que l'ennemi avait posées, des fosses que les méchants avaient posées, dans le but de ce qu'une multitude tombe dans ces fosses. Et ne se relève pas, mais tu envoies ta parole pour relever, pour consoler les vies, pour relever tous ceux qui étaient tombés, pour fortifier, pour tous ceux qui étaient faibles. Nous te disons merci pour ta parole révélée. Oh oui, Père, nous te disons merci. Nous te disons merci, Arababashaya. Ah, nous te disons merci, Père. Merci parce que tu ramènes les âmes. Nous allons dire merci à Dieu pour toutes les âmes qui ramènent à lui. Toutes les âmes qui se convertissent au Seigneur. Toutes les âmes qui, semaine après semaine, reçoivent Jésus dans leur cœur comme leur sauveur et comme leur Seigneur. Et échappent ainsi à l'enfer. Nous allons rendre grâce à Dieu. Et il y a de la joie dans le ciel pour chaque âme qui se répand. Dans Luc 15, verset 7, il dit de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oh mon frère, nous allons rendre grâce à Dieu pour toutes les âmes qui sont venues à lui, qui se sont données à lui tout au long cette semaine, à dimanche, ou alors en réécoutant, en retransmission, en rediffusion du message en différé, à toutes les âmes qui, à l'écho, au son de la voix de son serviteur, ont accès
accepter de se tourner, de sortir des pièges de l'ennemi, de sortir des ruses de l'ennemi, de sortir des fosses maléfiques sataniques dans lesquelles l'ennemi les avait engloutis, de sortir des griffes, des pièges des serpents, de sortir des pièges, des liens de captivité. Nous disons merci pour la parole de Dieu qui a produit, qui a commencé à produire un fruit dans les cœurs, dans les vies. Au Père, nous te disons merci. Élève la voix et rends grâce. Élève la voix. Tous ensemble, nous allons faire monter un parfum de reconnaissance. Dis merci pour les vies. Alors, dis merci pour chaque âme qui est revenue. Qui est revenue soit, qui est venue soit pour la première fois. Qui est revenu au loin du monde, ou pour quelqu'un qui était déjà converti et qui avait rétrogradé, qui était reparti dans le monde. Nous te disons merci. Est-ce que pour toute personne qui était partie dans le monde et que tu as ramené à toi, que tu as ramené dans les sentiers de vie, pour les sentiers de la vérité, pour les sentiers de la droiture. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Père. Élevons la voix vraiment. Il dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour les âmes qui se sont tournées vers lui, pour les âmes qui sont revenues. Nous allons rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu et prier aussi afin que ces âmes qui sont revenues rendent grâce à Dieu de ce que s'il les a fait revenir, assurément, c'est pour les affermir, c'est pour les établir, c'est pour les établir et les approfondir dans la maison. Mais rendons déjà grâce à Dieu pour les âmes. Karabashé, Karouska. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Ensemble, élevons Marjabab sur cette mélodie simplement. N'attends pas un chant nouveau. Non, nous sommes dans un moment d'intercession. Nous sommes dans un moment de prière. Nous sommes dans un moment où nous voulons réellement élever, célébrer. Alors de tout ton cœur, de toute ton âme, fais monter des actions de grâce. Fais monter des actions de grâce. Karababashirosaya. Pour les âmes, fais monter des actions de grâce. Pour les conversions en cascade, faisons monter des actions de grâce. Pour les conversions multipliées, faisons monter des actions de grâce. Pour les cœurs qui se sont tournés et se tournent encore vers nous, faisons monter des actions de grâce. Pour la parole qui se répand au travers des canaux, pour la parole qui se répand de différentes manières, faisons monter des actions de grâce. Continue d'élever la voix. Il faut qu'un autel d'action de grâce soit élevé ce matin. Il faut qu'un autel d'action de grâce soit élevé en son honneur. Nous rendons grâce à Dieu le Père qui est là, qui est présent au milieu de nous en ce moment, en ce matin. Nous te rendons grâce. Merci pour les âmes. Merci pour le salut. Merci pour les conversions en cascade. Merci pour la vie. Les âmes qui ont échappé à la mort, échappé à l'enfer. Nous te rendons grâce. Torabashe lororosa. Ekate lororosa. Eleros yarama. Yararos. Yararabos. Eleros yarama. Merci. Merci, Père. Makatori mayarero si anere. Yarama mamama. Oribosko rabashe kereros ya mamama yanerebos. Eleros yarababa. Karabashe kereros. Yarama mamama. Reka rekoto imama. Eleros yarama. Eleros yarama. Continue. Élève la voix en esprit. Tu es en train de rendre d'excellentes actions de grâce. Tu peux le faire en esprit ou par l'intelligence, mais quand tu le fais en esprit, tu rends d'excellentes actions de grâce. Tu permets, en le faisant en esprit, nous permettons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de nos langues. Nous permettons au Saint-Esprit de prier de manière conforme à la volonté du Père. Nous permettons au Saint-Esprit de pouvoir rendre d'excellentes actions de grâce au travers de nous. Alors, rebobo shiarerero, yererebo shiarerero, shekatelebo shia, yererebo riyama, yanderero noriyama, yererebo shiarerero, yanderebo bo, yanderaba.
pour la multitude des conversions. Ah Seigneur, parce que tu délivres des fausses. Pour les âmes qui sont revenues à toi. Pour les cœurs changés, Père. Pour les cœurs endurcis que tu as touchés. Pour les cœurs endurcis que tu as changés. Pour les cœurs que tu as commencé à changer. Pour les vies que tu as commencé à transformer. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Père. Ayadarosh Yadamayande. Ah merci Garabashirurura. Merci parce que nous assurément nous croyons que ces conversions ne sont pas superficielles, mais que ce sont des véritables. Tu as mené à la aux véritables conversions. Nous te disons merci. Nous allons dire merci à Dieu pour le don de la repentance, pour la capacité à revenir à lui. Ah, qu'il a répondu, qu'il a déversé. Ah, au travers de sa parole qui est venue dans le but de chercher. Dis merci parce que il est si patient, il est si bon. Il n'a pas voulu que le méchant périsse. Il n'a pas voulu que le méchant meure directement, mais il a donné le temps de parvenir à la repentance. Regarde ce qu'il dit dans 2 Pierre, 2 Pierre 3 au verset 9. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, ah, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ah, bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu pour sa grande patience, pour son amour, pour sa fidélité. Et disons merci à Dieu. Merci pour son amour. Merci pour sa patience. Et merci pour le don de la repentance qu'il a déjà commencé à libérer et qui va être amplifié dans le nom de Jésus. Est-ce qu'ensemble on peut simplement élever la voix et dire merci à Dieu? Élever la voix et dire merci pour sa patience. Merci pour son amour aussi grand. Merci pour ses bontés qui ne sont pas épuisées. Merci au fait, Seigneur, pour le sacrifice à la croix, pour le sang versé. Ah, tu as versé ton sang, oh, pour notre rédemption. Tu as versé ton sang pour notre délivrance. Tu as versé ton sang, ah, pour le pardon des péchés de l'humanité. Oh Seigneur, nous voulons pour cela faire monter des actions de grâce, faire monter une reconnaissance pour le sacrifice à la croix. Oui, à la croix, tu as désarmé les dominations, les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. À la croix, tu as réglé le problème du péché. À la croix, Seigneur, tu as brisé le joug. Ah, tu as brisé le mur d'inimitié qui se tenait entre Dieu le Père et les hommes. Tu es celui qui a par qui Dieu le Père a pu réconcilier l'humanité avec lui-même. Et nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Tu peux même chanter par l'esprit, mon frère. Tu peux chanter. Et il est écrit, je prierai par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi par l'intelligence. Oh Seigneur, ah, c'est un autel d'action de grâce qui est en train d'être élevé ce matin. Un autel d'action de grâce, ah, pour tout ce que tu es, tout ce que tu as fait. Alors tu as dit quand tu partais, quand tu quittais la terre, tu as dit tout est accompli. Ah, tu as payé le prix pour la guérison de toute forme de maladie, de toute infirmité. Tu as payé le prix pour notre rédemption totale, complète, de toute personne. Ah, la Bible, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour la vie que tu as saisie, acquise pour nous à la croix. Merci pour que ce qu'à la croix tu as acquis également, la guérison de toute maladie, de toute infirmité. Oui, Seigneur, c'est pour nos souffrances que tu as porté.
C'est de nos douleurs que tu t'es chargé. Et oui, tu as été considéré. Ah, tu as été vu comme étant puni, frappé de Dieu, humilié. Mais cependant, ce sont nos souffrances que tu as portées. C'est de nos douleurs que tu t'es chargé. Ah, tu as été brisé pour nos péchés. Ah, Tchalabarossa, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi et par tes maîtrisures. Nous sommes guéris de toute maladie. Ah, la rossière de toute infirmité. Oh, que te rendons grâce. Oh, qui d'autre que toi a pu faire ce que tu as fait? Oh, nous te rendons grâce. Ah, Maya Rebosia. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Voilà pourquoi nous pouvons respirer. Nous respirons pour ta gloire. Si nous vivons, c'est pour ta gloire. Si nous vivons, c'est pour ton plaisir. Oh, après ce que tu as fait, tu nous as rachetés à un prix si grand, à un prix merveilleux. Bien-aimé, prends le temps de contempler l'œuvre de la croix. Prends le temps de contempler l'agneau de Dieu. Il a été crucifié à la croix. Il a été crucifié, enseveli, ressuscité, élevé. Ah, Chéréros. Héréros, Chiaraba. Et il a dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai. Nous allons rendre grâce. J'attirerai les foules. Lorsque je serai élevé. Dans Jean 12, verset 32, il a dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes. Oh, nous rendons grâce à Dieu le Père, parce qu'il attire les âmes en grand nombre pour écouter sa parole, pour être transformé, pour être impacté, pour être guéri, pour être libéré, pour être consolé, pour être ramené dans les sentiers de la vie, pour être pensé pour ceux qui sont blessés, pour être fortifié pour ceux qui sont faibles. Élevons encore la voix pendant une minute. Prenons le temps de dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Ah, et pendant que nous élevons la voix pour dire merci pour sa parole, prions aussi pour dire merci à Dieu pour son serviteur. La Bible demande d'honorer de tels hommes. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour les prix payés, pour la transformation. Merci pour la parole qui est envoyée. Et merci pour les hommes que tu attires en masse, en grand nombre, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Ah Seigneur, merci pour ta parole qui est libérée au travers de ton serviteur. Ah, nous te rendons grâce pour ton serviteur, le pasteur Yvan. Nous te rendons grâce pour le vase excellent, Seigneur, que tu fais de lui, que tu travailles, que tu as poli pour l'édification des multitudes, pour nourrir des multitudes. Oh, nous te bénissons pour sa vie. Nous te rendons grâce pour sa vie. Nous te rendons grâce pour ce que tu fais, ce que tu as commencé à faire, et que tu poursuivras, et que tu achèveras. Merci pour les vies. Merci pour le prix payé. Merci pour la consécration. Merci pour la grâce. Ah, merci pour les fleuves qui jaillissent au travers de sa vie. Merci Seigneur pour le modèle, le cœur de consécration, le modèle de berger. Seigneur, le modèle, Seigneur, que tu fais de lui. Un modèle, Seigneur, une figure de Christ dans la génération. Nous te bénissons. Merci de ce que tu as fait de lui. Seigneur, une voix, Seigneur, dans cette génération. Seigneur, pour parler de ta part. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions. Et dans cet élan, nous prions aussi. Ah, afin que Dieu protège son serviteur, son épouse, sa maison, sa famille, ses enfants. Afin qu'aucun complot, aucun complot formé contre sa vie. Ayara ne prospère. Merci pour ton serviteur que tu gardes dans tes précieuses mains. Merci pour ton serviteur, Seigneur, que tu protèges. Merci pour le ministère des anges qui est renforcé. Ah, pour la sécurité de ton serviteur. Ah, de son épouse, maman Maud. Seigneur, pour les enfants, pour sa famille, pour les proches. Père, dans le nom de Jésus, merci de ce que ta main est étendue.
Merci de ce que ta main de grâce, de protection, Rabakate de Roshia, est posée. Et merci de ce que toute forme de coalition de l'ennemi qui voulait s'ériger dans le but d'atteindre, de porter atteinte d'une manière ou d'une autre à ton serviteur, dans le but de vouloir atteindre, que ce soit physiquement, que ce soit à part des calomnies, des critiques, des fausses accusations, atteindre par différentes, à différents moyens, dans le but d'arrêter, dans le but de stopper s'il le pouvait. Merci Père de ce que dans le nom de Jésus, ces plans sont détruits dans le nom de Jésus. Nous supplions, Abba Père. Tu dis que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tu dis que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras, Rabat. Et tu dis, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Bien-aimé, il dit dans Ésaïe 54, il a une parole qui correspond pour aux serviteurs de Dieu. Ésaïe 54, verset 17, il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Nous allons prier sur la base de cette parole et que, afin que toute âme forgée, toute flèche que l'ennemi essaierait d'envoyer contre son serviteur et contre sa famille, contre ses proches, qu'elle soit nulle et sans effet, qu'elle retourne simplement à l'envoyeur dans le nom de Jésus, et que toute langue qui s'élèverait en justice contre son serviteur, qu'elle soit condamnée dans le nom de Jésus. Que toute tentative d'intenter quoi que ce soit, toute tentative de faire quoi que ce soit en justice contre ton serviteur, toute langue qui voudrait s'élever, toute conspiration satanique qui voudrait s'élever contre tes serviteurs, dans le but de discréditer, dans le but de salir, dans le but d'accuser, Père, qu'elle soit condamnée dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble et prier? Roshiba, Hilarerosha, Hilarosha, Hilarerosha, Yanaba, Hilarosha, Hilarosha. Disons ensemble, est-ce qu'on peut répéter ensemble? Tendre Père, plus fort, tendre Père, nous te disons merci. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour ce don que tu as fait pour l'humanité. Nous te disons merci. Tu as dit dans ta parole à l'égard de tes serviteurs. Tu as dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras dans le nom de Jésus. Sur la base de cette parole, nous déclarons et nous décrétons que toute âme forgée contre ton serviteur, contre son épouse, contre sa famille, dans le nom de Jésus, toute âme forgée contre ton serviteur, le pasteur Yvan et son épouse et sa famille et ses proches et les pasteurs qui travaillent à me décharger, à porter la charge, Père, dans le nom de Jésus, que cette âme soit renversée et que toute langue qui s'élèvera en justice contre ton serviteur, qu'elle soit condamnée, qu'elle soit condamnée dans le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, amen, amen, est-ce qu'on peut lever la voix et prier? Robama, c'est que toute âme, prions que toute âme forgée contre ton serviteur, qu'elle soit nulle et sans effet, qu'elle soit renversée. Robakate et Robacha, toutes les voix qui s'élèveraient dans le but de discréditer, dans le but d'arrêter, dans le but de bloquer, dans le but de stopper, dans le but de vouloir museler, empêcher ton serviteur et tous tes serviteurs qui répandent la saine doctrine, toutes les voix qui s'élèveront. Si elles n'ont pas pu arrêter les apôtres au commencement, elles n'ont pas pu arrêter Pierre, elles n'ont pas pu arrêter Jésus déjà, elles n'ont pas pu arrêter Pierre, elles n'ont pas pu arrêter Paul, elles n'ont pas pu arrêter
à tes serviteurs dans le temps. Alors nous croyons que rien, oh rien de ce qui pourrait être forgé ne pourra arrêter. Amen. Oh, ton serviteur, Roshika Rebobo, nous brandissons le sang de Jésus maintenant, Marekate, et nous commandons, ah, que toute âme, toute flèche qui vole en plein jour, tout ce qui, toute tentative de fausse accusation, pour toute tentative, ah, que l'ennemi inspirera ses agents pour salir ton serviteur, qu'elle soit neutralisée, réduite, vouée à l'échec dans le nom de Jésus. Rabakate Rerosha, Ererorosha, ah, ce sont des plans, ah, qui sont érigés dans le but que la voix, que la parole de Dieu se fasse encore rare, parce que là, pour essayer d'arrêter celles et ceux qui osent se lever et prêcher la sainte doctrine. Mais Dieu a dit à l'égard de ses serviteurs que toute âme forgée contre eux est nulle et sans effet. Ah, et toute langue qui s'élèvera en justice contre eux, elle la condamnera. Il la condamnera. Père, nous te disons merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de ce qu'il entend, de ce qu'il exauce? Roca, Eroroshi, Arerosa, Eroroshi, Arerosi, Aramama, Eroshe, Kataya, Makaterosa, Nandereros. Merci, Père. Oh, dans le nom de Jésus, Marekotaya. Ah, merci, Père. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Nous avons rendu grâce à Dieu pour les âmes qu'il a ramenées. Ah, maintenant nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier afin que Dieu affermisse toutes les âmes qu'il a ramenées dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour l'affermissement en Christ, pour l'affermissement dans la foi, pour l'affermissement de toutes les âmes que Dieu ramène, oui, qu'il ramène semaine après semaine. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 3, il dit, le Seigneur est fidèle et il affermira vous. Et vous, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous allons prier dans cet élan. Nous allons prier pour son serviteur. Nous allons prier pour également toutes les âmes que l'ennemi avait voulu disperser, toutes les âmes que l'ennemi avait voulu garder dans les fosses de l'ignorance, les fosses de l'impudicité, les fosses de la méchanceté, les fosses de l'orgueil. Ah, et que Dieu a commencé à ramener, Dieu a commencé à attirer. Alors nous allons prier afin que Dieu les affermisse, que Dieu les plante dans la maison et qu'ils fleurissent et qu'ils se déploient et qu'ils ne soient plus arrachés, ne soient plus arrachés dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut élever la voix en intercession? Rabakato Ribaha. Oh, c'est un moment d'intercession. C'est un moment, ah, de prière. Rabakate Rebosa. Oh, Rababa Shekedebo. Dieu a besoin. Il a besoin. Il cherche un homme. Il a dit, je cherche un homme qui élève un mur et qui se tienne la brèche. Il cherche un homme et qu'il trouve en toi et en moi, mon frère, ma soeur, ce matin, des hommes et femmes qui se tiennent à la brèche pour intercéder. Pourquoi nous prions, Seigneur, pour les âmes? Nous prions, Seigneur. Ah, Seigneur, nous t'avons remercié lorsque tu as ramené les âmes. Mais nous prions afin que ces âmes soient fermées, afin que ces âmes que tu as ramenées soient trouvées fondées et enracinées dans ton amour. Qu'elles connaissent, ah, que chacune des chacun connaisse l'amour de Dieu, hein, soit fondé et enraciné dans ton amour, afin de comprendre avec tous les saints, ah, la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de ton amour, de comprendre, de saisir, ah, cela et être rempli de jusqu'à la plénitude de Dieu. Merci Père. Rosika Yendare Rocher, est-ce que tu es en train de prier, mon frère? Est-ce que tu es en train d'intercéder? Est-ce que tu es en train de soupirer? Il y a beaucoup, il y a un certain nombre d'âmes. Il y a plusieurs qui se perdent. Dieu dit dans sa parole que l'âge est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup l'empruntent. Mais étroite est la porte. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Et très peu le trouvent. Oh, Père, nous prions. Rabakaya, pour toutes les âmes que tu as ramenées. Ah, nous te prions. Accorde la grâce de ne pas retourner dans le monde. Accorde la grâce de ne pas retourner à les choses volées. Accorde la grâce de ne pas retourner à une ancienne vie. Une vie séparée de toi, une vie sans saveur, une vie qui n'a aucun sens, une vie de
perdition. Non, Jaya, ce n'est pas ce que tu veux, mais ce n'est pas ce que tu veux pour tes enfants. Tu veux, ah Seigneur, ce que tu veux, ce sont pour chacun. Ta volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Nous prions, Père, dans le nom de Jésus, que tu nous amènes, tu amènes chacun, tu amènes l'Église à parvenir à la connaissance de la volonté, à parvenir à la connaissance de la vérité, à parvenir à la connaissance de Christ, à parvenir à grandir dans la conscience de Christ, à grandir dans la conscience de Christ. Oh, nous te supplions, Rochia, Yanderevosa, bien-aimé, ne te tais pas. Nous avons vu au travers de son serviteur que lorsque tu portes les fardeaux des uns, lorsque je dis porter les fardeaux des uns des autres, prier les uns pour les autres, c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Et alors que tu portes les fardeaux de ton frère, de ta soeur, bien-aimé, toi aussi tes fardeaux seront portés, tu seras déchargé. Alors que nous prions ensemble avec ferveur, alors que nous prions pour les âmes les plus faibles, alors que nous prions afin qu'elles soient fortifiées, afin qu'elles soient fermes, oh, je te garantis que Dieu te communiquera, nous communiquera ensemble une nouvelle dimension de fermeté, une nouvelle dimension de force, une nouvelle dimension de fermeté en lui, afin d'être trouvé inébranlable. Si tu connais un frère, si tu connais une sœur qui était faible, qui avait tendance à être partagée, à être tiède, ou à revenir, ou bien qui est sincère, qui veut se battre mais n'arrivait pas, était comme faible, était en combat, bien aimé, tu peux élever la voix et mentionner son nom et citer son nom et citer de manière spécifique afin que nous prions. Et là où elle est, là où elle se trouve, une force, la force divine lui sera communiquée, la vigueur divine en ce matin lui sera communiquée. Ah Rabao, je vois plusieurs âmes fortifiées, je vois plusieurs fortifiées par sa force, la force puissante de Dieu. Oh Rokataya Nerevosa, alors que nous sommes là, alors que nous sommes en accord, alors que nous prions ensemble, je vois plusieurs, je vois des multitudes qui allaient chanceler, qui allaient tomber. Le malin, l'enfer avait prévu de les faire tomber cette journée. L'enfer avait prévu de les faire tomber en cette fin de semaine. Robakata allait faire revenir comme un chien à ce qu'il a vomi. Mais je vois plusieurs se relever. Je vois plusieurs recevoir une force spéciale, une force nouvelle en ce matin pour résister, pour être trouvé ferme. Et nous sommes là comme ces quatre amis du paralytique qui ont pris ces personnes, qui ont pris le paralytique pour venir le déposer aux pieds de Jésus. Et Père, nous venons, nous posons à tes pieds toutes les âmes, dans toutes les églises et pas qui sont chrétiens, toutes les âmes faibles, toutes les âmes qui avaient du mal à marcher avec toi, toutes les âmes qui avaient du mal à demeurer dans ta parole, qui avaient du mal à demeurer dans la vérité. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui venaient étaient encore nouvelles dans la foi et qui sont encore progressivement en train de poser des pas. Père, dans le nom de Jésus, nous prions pour chacune afin que tu les affermisses, afin que tu les enracines en toi, afin qu'elles soient trouvées fondées et enracinées dans ton amour, dans le nom de Jésus. Rabacherorosia, Rokate, Hindala, Maroko, Hindelegoche. Prions pour demander à Dieu qu'il leur accorde la grâce d'aimer la vérité. Qu'il accorde la grâce à tous, à chacun de nous. Qu'il nous accorde, nous, Église, la grâce d'aimer la vérité. Parce que la vérité, mon frère, ma soeur, est une personne. Jésus est le chemin, il est la vérité et la vie. Aimer la vérité, c'est aimer Christ. Aimer la vérité, c'est aimer le Seigneur Jésus. Alors prions dans cet élan. Que Dieu nous accorde la grâce d'aimer la vérité. De nous attacher fortement à la vérité. De haïr le mensonge de l'ennemi. De haïr les tromperies de l'ennemi. De haïr les séductions de l'ennemi. Et de nous attacher fortement à la vérité dans le nom
de Jésus. Rababashaya, est-ce que tu es en train de prier, mon frère? Rosso yandere yandorobo yerero yerera yerero yerero. Merci pour la vérité. Merci de ce que tu es, la vérité. Tu es le chemin, tu es la vérité et la vie, ô Seigneur Jésus. Ah, nous voulons, accorde-nous la grâce de t'aimer. Accorde-nous la grâce d'aimer la justice. Accorde-nous la grâce, Seigneur, ah, d'aimer, Seigneur, de marcher dans la vérité. Que toutes les voix qui s'élevaient dans le but de calomnier la vérité, que toutes les voix qui s'élevaient dans le but de calomnier Rabakatoya, la vérité, dans le nom de Jésus. Ah, Père, que ces voix se taisent dans le nom de Jésus. Que ces voix soit réduite à néant dans le nom de Jésus. Que les forteresses, tu dis dans ta parole qu'il y a des forteresses, il y a des raisonnements, il y a des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et que les forteresses doivent être renversées. Que les raisonnements, les hauteurs doivent être renversés. Voilà pourquoi, Père, ce matin, nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élevait contre la connaissance de Christ, contre la connaissance de la vérité. Ces voix qui venaient dans le but de séduire, dans le but de tromper, par la ruse, dans le but de détacher ton peuple, de détacher tes enfants de la vérité, voulaient, afin qu'ils s'attachent au mensonge. Père, dans le nom de Jésus, nous brandissons le sang de Jésus ce matin contre tous ces esprits, les esprits de mensonge, les esprits de séduction, toutes les cohortes de démons qui sont envoyés dans le but de combattre la vérité, de combattre le message de la vérité. Rocha, Ricato, Indarebo, Shekereo, Soriarama. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Contre toute forme d'esprit, les esprits de séducteurs, les esprits qui séduisent, qui veulent poser des voiles sur les vies, poser des voiles dans le but d'asservir, d'assujettir et de conduire les âmes vers les fosses. Dans le nom de Jésus, nous brandissons le sang de Jésus ce matin contre ces entités. Dans le nom de Jésus, vous libérez les âmes, vous libérez Aya Rabakataya, Rosa, Indoro, Shekare, Roskiba, Rima. Bien-aimé, élève la voix par l'esprit. Rimaros, Yanelebo. Ah, il y a des esprits séducteurs. Il y a des esprits qui viennent dans le but de séduire, de faire croire qu'on peut continuer de désobéir à Dieu. Et que tout va bien, tout ira bien. Ça va aller. Les voix qui disent, oh, tu peux être rebelle, mais c'est pas grave. Ça va aller. Tu peux garder un peu d'amertume. C'est pas grave. Mais ça va aller. Tu peux garder. Tu peux te masturber. Tu peux pratiquer de la pornographie. Tu peux rester dedans, tu peux mentir, continuer de mentir de temps en temps, voler, tricher, faire des choses, mais ne t'inquiète pas, Dieu est bon, il est bon, et il va, ça va aller, tu peux le continuer. Ce sont des voix de séducteurs, ce sont des voix, des esprits de séduction qui viennent dans le but de s'emparer des âmes, pour les conduire en enfer. Mais Père, dans le nom de Jésus, ce matin, nous nous tenons en intercession, nous nous tenons entre Rochete, Rababa, et nous brandissons le sang de Jésus. Ah, pour arracher le sang qui a été donné pour la rédemption, le sang qui a été donné pour la délivrance, le sang qui a été payé, donné pour le prix, pour le rachat. Rocha Katala, ces âmes ne sont pas à toi, esprit impur, ces âmes ne sont pas à toi, esprit de mensonge, et ces âmes ne sont pas à toi, esprit séducteur. Alors, dans le nom de Jésus, nous t'ordonnons maintenant de libérer les âmes, de libérer les cœurs, de libérer, oh, nous, que tes mensonges soient consumés par le feu, que les mensonges soient consumés par le feu, dans le nom de Jésus. Roche Carrero Rocha, Guerrero Chequetero Rocha, dans le nom de Jésus, Maraba. Ah, bien-aimés, dans le nom de Jésus, nous allons prier afin que tous les mensonges que l'ennemi avait plantés soient déracinés des cœurs et que la parole de Dieu soit plantée, qu'elle demeure et qu'elle ne soit pas volée, qu'elle ne soit pas volée par ces entités. Dans Matthieu 13, verset 19, Dieu dit que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et il enlève ce qui a été semé dans son cœur. Nous allons prier contre tous ces esprits méchants qui, à chaque fois que la parole est envoyée, se tiennent en embuscade, se tiennent dans le but de garder, d'arrêter
arracher, de voler les paroles. Ah, nous allons prier afin qu'ils soient réprimés, afin que leurs œuvres s'arrêtent dans les vies, dans le nom de Jésus. Afin que tout ce qu'ils avaient volé soit restitué dans le nom de Jésus. Et qu'ils soient restitués et que les âmes puissent réellement s'attacher à la parole et saisir. Ils sont là, ils posent comme, jettent comme des voiles dans le but d'empêcher de comprendre la parole. Et lorsqu'elle n'est pas comprise, elle est posée de côté, ils viennent pour voler, voler la parole. Nous allons prier contre vous. C'est vous, c'est à vous que nous parlons maintenant. C'est contre vous que nous venons ce matin, dans le nom de Jésus. Qui êtes-vous pour oser voler? Qui êtes-vous pour oser vous tenir en embuscade pour voler les paroles, voler les grâces, voler ce qui est envoyé dimanche après dimanche et amener les vies à tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond à cause des vols, à cause des séductions, à cause des tromperies, à cause de toutes ces choses? Rabakaya, ce matin, la main du Seigneur est contre vous dans le nom de Jésus et nous vous commandons de libérer les vies, nous vous commandons de libérer les cœurs, nous vous commandons de libérer les âmes dans le nom de Jésus. Assez, c'est assez. Le temps est venu à Rabakaya pour qu'un peuple consacré à Christ se lève. Le temps est venu pour qu'un peuple chaud, le temps est venu pour qu'un peuple obéissant se lève. Le temps de l'émergence des disciples de Christ est arrivé. Ce n'est plus le temps ce n'est plus le temps d'être trouvé tiède. Ce n'est plus le temps d'être trouvé clochant des deux côtés. Voilà pourquoi nous venons dans le nom de Jésus contre tous les démons, les serpents, les esprits mauvais, méchants qui étaient ligués, qui venaient en masse dans le but d'attaquer le peuple, dans le but d'opprimer, d'oppresser. Au nom de Jésus, vous libérez les cœurs, vous libérez les âmes, vous libérez les voleurs de grâce, les voleurs d'étoiles, les voleurs de paroles, les voleurs. Ah, nous venons contre vous ce matin dans le nom de Jésus. Rakato riba cherorosa. Ererorosa, ererebosa. Au nom de Jésus. Merci Père de ce que tu, ta parole que tu envoies. Tu accordes la grâce qu'elle soit plantée dans les cœurs. Qu'elle soit plantée. Celle que tu as envoyée les précédents dimanches. Et que tu enverras. Et que tu enverras encore cette semaine. Père, dans le nom de Jésus, qu'elle soit plantée. Afin que le fruit qui doit sortir puisse émaner dans le nom de Jésus. Arabakato rabasha erorosi arerosa ererebo shekareros yanderos yanere manele bobo shekara mama ashakata. Oh, nous allons continuer, mon frère. Nous allons continuer, ma soeur. Il est écrit dans Psaume 33, versets 10 à 11. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Le Seigneur renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins du Seigneur, l'Éternel, subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Nous allons prier ce matin contre, afin que Dieu, le Seigneur, renverse les desseins des nations. Il y a des groupes d'influence, il y a des réseaux maléfiques qui sont, se sont levés, qui sont là dans le but de nuire à l'Église véritable, de nuire à la progression de l'Église, de nuire au déploiement, de nuire à la croissance sans précédent de l'Église, dans le but de détruire, d'intimider, de pointer du doigt, de paralyser s'il le pouvait, des attaques de toutes sortes, mais dans le nom de Jésus. Robakaya, nous allons nous tenir en prière, nous allons nous tenir en intercession. Priez afin que ces plans soient réduits à néant dans le nom de Jésus, parce que le Seigneur anéantit les desseins des nations, que le Seigneur anéantit les projets des peuples. Nous allons prier pour cela dans le nom de Jésus, et que tout complot, que toute conspiration, toute tentative de nuire, toute tentative d'empêcher, de faire taire les pasteurs, de faire taire, qu'elle soit réduite à néant dans le nom de Jésus. De toute tentative de faire taire les pasteurs, de museler, de salir les serviteurs de Dieu dans le but de discréditer le message et d'empêcher qu'il atteigne les cœurs et que des vies soient transformées. Nous allons prier afin qu'elles soient anéanties dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier 3, 2, 1? Est-ce qu'ensemble
Marabashe Korobobosa. Hier, nous pouvons élever la voix. Père, nous te rendons grâce. Merci, Père. Oh, de ce que tu es là. De ce que tu as dit dans ta parole. Que tu renverses les desseins des nations. Ah, tu anéantis les projets des peuples. Oui, il y a des coalitions. Il y a des peuples. Il y a des conspirations sataniques. Il y a des mouvements, des groupes occultes qui se sont levés. Des groupes d'influence maléfiques qui se sont levés. Et qui veulent faire taire des pasteurs qui proclament la saine doctrine. Mes pères, dans le nom de Jésus, c'était sans compter sur l'intercession de l'Église, sur l'intercession des rachetés. Ce matin, nous nous tenons, Père, en intercession. Tu as dit que tu anéantis. Alors nous prions, Père, dans le nom de Jésus, que les projets, que les desseins des nations, les desseins de ces groupes occultes, ces groupes qui veulent nuire à l'Église, au déploiement de l'Église véritable, à la construction des vies, à la transformation de vie, qui veulent arrêter, qui veulent empêcher que les pasteurs prêchent la sainte doctrine, qui veulent détruire, qui veulent polluer, qui veulent diluer le message. Et dit non, comment, pourquoi est-ce qu'ils veulent prêcher la sainte doctrine? Non, nous venons, Père, dans le nom de Jésus, et dire et prier que ce projet soit renversé. Que les desseins des nations soient renversés. Le Seigneur renverse les desseins des nations. Que les desseins des groupes d'influence occulte soient renversés. Que les desseins des lobbies sataniques qui s'étaient levés dans le but de freiner, de bloquer l'Église, de prôner la fermeture des églises. Soi-disant, ils ont l'air trop réveillés. Ils ont l'air trop extrêmes. Non, leur message est extrême. Nous déclarons vos plans sont renversés. Nous déclarons vos projets sont renversés. Mais c'est une église triomphante qui va se lever. C'est une église forte qui se lève. Une église qui ne subit plus les assauts de l'ennemi. Une église qui ne subit pas, qui ne laisse pas les nations faire du mal, toucher à des serviteurs, à des apôtres. Au temps de Jacques et de Pierre, Hérode a pu tuer Jacques. Et parce que l'église était comprise par surprise. Mais lorsque l'église s'est levée dans la prière, lorsque l'église s'est levée et dans l'intercession, il a essayé de mettre Pierre en prison dans le but de tuer pareil, de le tuer. Mais la Bible déclare que dans la nuit, il y a un ange qui est venu, qui a fait sortir Pierre de prison et lui a dit d'aller dans le temple prêcher la bonne nouvelle. Nous déclarons qu'aucune coalition satanique, aucune coalition démoniaque, aucun groupe maléfique, aucun groupe destiné à atténuer, à affaiblir. L'Église ne prospérera dans ses voies. Mais dans le nom de Jésus, qu'il soit renversé. Qu'il soit anéanti, renversé. Tu anéantis les projets des peuples. Merci Père, de ce que les projets des peuples contre ton Église, contre la progression de ton Église, contre le salut des âmes, contre la propagation de ta parole, qui soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Ils sont anéantis dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur qui anéantit les projets? Il anéantit les tentatives. Il y a des tentatives initiées dans le but d'empêcher, dans le but de bloquer, dans le but de restreindre, dans le but de restreindre la diffusion de la saine doctrine, la diffusion de l'Évangile. Mais le Seigneur renverse ses desseins, renverse ses projets dans le nom de Jésus. Les projets qui étaient en train d'être formés, que l'ennemi était en train de former dans le but de salir les pasteurs, dans le but de salir les serviteurs, dans le but de discréditer le message et perdre des multitudes. Père, merci de ce que ces projets sont renversés, ces desseins sont renversés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Seigneur, nous te rendons grâce.
Nous allons lire dans Acte 4, au verset, dès le verset 6, dès le verset 5. Acte 4, verset 5, il est écrit: « Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean, leur demandèrent: par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes aujourd'hui interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Et il a continué de prêcher. Et vous savez, et au fur et à mesure qu'il parlait, il y avait une embuscade qui était traînée. Il avait été traîné devant, une embuscade qui avait été faite. Il avait été traîné devant des tribunaux. Ils avaient été traînés, mais Dieu s'est servi de cette occasion pour que la parole de Dieu soit annoncée, pour que Christ soit révélé, pour que Christ soit annoncé. Voilà pourquoi nous allons prier, déclarer que toutes les coalitions, tout ce qui sera fait, in fine, ça va viser à ce que le message pénètre, aille de plus en plus loin, touche les cœurs, à ce que le message soit annoncé, à ce que Christ soit annoncé. Prions afin que, quelle que soit la nature des persécutions, quelle que soit la nature des défis, quelle que soit la nature de ce qui viendra, que tout cela serve à ce que la parole de Dieu soit annoncée, à ce que la parole de Dieu soit communiquée, à ce que la parole de Dieu soit prêchée, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut, Maro Koto Remaya, est-ce qu'on peut prier? Mareka telema yande rebrosa, yereroshia la baba, yereroshia. Père, dans le nom de Jésus, tu dis dans ta parole que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Nous prions, et ceux qui sont appelés selon ton dessein, nous prions, Père, dans le nom de Jésus, que quelles que soient les persécutions qui viendront, les persécutions que l'ennemi enverra, déjà, Père, nous prions pour que tes serviteurs soient préservés, pour que ton peuple soit préservé, pour que tes enfants soient préservés. Mais plus encore, nous prions, Père, que toutes choses concourent à ce que tu sois glorifié, à ce que tu sois révélé, à ce que tu sois formé, à ce que tu sois annoncé, tout afin que tu sois manifesté. Roshi la raba, rekotori mama, yere roshi, yande, ah, yaraba, shekere roshi, yere rosa, indara roshi, yere roshi, makate. Ah, que la parole de Dieu, et prions dans cet élan, parce que dans Acte 6, verset 7, il dit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples s'augmentait beaucoup, beaucoup. Ah, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Ah, nous allons prier. Marabaka Terebosa, que la parole de Dieu se répande dans la ville où tu es, dans le territoire où tu es, dans le pays où tu es, dans la ville ou dans le quartier, dans la région. Élève la voix et prie afin que la parole de Dieu se répande dans ta région, afin que la parole de Dieu se répande dans ta ville, afin que la parole de Dieu se répande dans le quartier, afin que la parole de Dieu se répande dans les familles, dans les foyers, afin que la parole de Dieu circule. Prions pour que la parole de Dieu se répande. Ah, il est écrit dans Acte 6, verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Père, dans cette saison, nous prions que la parole, que ta parole se répande, qu'elle se répande dans les quartiers, qu'elle se répande dans les villes, qu'elle se répande à Paris, qu'elle se répande, Seigneur, qu'elle se répande à Bordeaux, qu'elle se répande à Dijon, qu'elle se répande dans toutes les régions de France, qu'elle se répande, dans le nom de Jésus, dans le sud de la France, qu'elle se répande dans le nord de la France, qu'elle se répande dans l'est, dans l'ouest, au centre de la France, qu'elle se répande dans l'île de France. Bien-aimé, cite dans la ville depuis laquelle tu es connecté, cite la ville en direct ou en différé. Cite et prie que la parole de Dieu se répande dans cette ville, que la parole de Dieu se répande en Europe, Seigneur, à Bruxelles, dans le Benelux, que la parole de Dieu se répande, qu'elle circule dans les quartiers, qu'elle circule dans les villes, qu'elle circule dans les familles, qu'elle circule
circule dans les maisons, qu'elle circule, et tous les agents qui voulaient bloquer la circulation, le mouvement de la parole, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient arrêtés, qu'ils soient stoppés dans le nom de Jésus. Ah, merci Père pour ta parole qui circule. Elle circule par les canaux. Ils avaient voulu arrêter le mouvement de ta parole, la circulation. Mais Père, ah oui, les embuscades qu'ils ont dressées, nous croyons que ça sera des tremplins pour la propulsion, pour la propulsion, pour le déploiement. Et que ta parole court avec une vitesse. Oh, nouvelle dans cette saison, dans le nom de Jésus. De la même manière que Satan croyait affliger Joseph en permettant, en travaillant à ce qu'il soit vendu par ses frères. Mais derrière, il y avait un plan excellent. Nous croyons que toute embuscade, tout projet que l'ennemi fera, n'aura pas d'autre issue que de concourir à ce que Christ soit glorifié, Christ soit révélé, Christ soit testé. Oh, dans le nom de Jésus, est-ce que tu peux dire un amen vivant là où tu es? Est-ce que tu peux dire un amen? La qualité de ton amen, oh, détermine la qualité de la visitation et du mouvement de la parole de Dieu dans ta ville, et du mouvement de la parole de Dieu dans ta famille, et du mouvement de la parole de Dieu dans ton foyer, du mouvement de la parole de Dieu dans nos villes, dans les territoires, oh, où nous sommes. La qualité de notre amen détermine la qualité de la circulation de la parole. Et alors qu'elle se répandait, les disciples, plusieurs disciples, le nombre de disciples augmentait de plus en plus. Père, nous prions, Rabakataya, que durant cette saison, que le nombre de disciples augmente pour le nom de Jésus. Que le nombre d'hommes et de femmes qui gardent, tu as dit, si vous gardez dans Jean 8, verset 31, 32, tu dis, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Père, dans le nom de Jésus, nous prions que tu lèves une cascade, une multitude de disciples qui gardent ta parole, qui sert ta parole, qui marchent ta parole, qui demeurent dans ta parole et en qui ta parole demeure. Ah Père, merci Père de ce que personne n'arrêtera. La parole, au travers de différents canaux, au travers de Facebook, au travers des applications, au travers de YouTube, au travers des radios, au travers des télévisions. Père, nous prions et nous déclarons qu'à partir de cette année, c'est une année où ta parole, le niveau, la vitesse de déploiement augmente dans le nom de Jésus. Au travers des différents canaux et même dans chaque ville de différentes manières dans le nom de Jésus. Merci pour les portes ouvertes pour le déploiement de ta parole dans le nom de Jésus. Ah, est-ce qu'on peut dire amen, amen? Et un dernier point et nous allons clôturer ce moment. Nous allons prier, bien-aimés, alors que nous sortons, nous rendons grâce pour la sortie du confinement. Que quelqu'un dise amen. Mais nous allons, il y a encore quelques-uns qui sont continuent d'être malades, qui sont toujours malades, autant pour moi, qui sont souffrants, qui sont atteints, que ce soit du COVID-19 ou d'une autre maladie ou autre chose. Mais nous allons prier réellement qu'en cette saison, que Dieu guérisse vraiment de toute maladie. Il est écrit dans Ésaïe 53, verset 3, il dit, verset 3 à 5, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Sur la base de sa parole, nous allons proclamer la guérison. La guérison, demander la grâce de ce que, au milieu de nous et autour de nous, que la grâce de la guérison qui a déjà été saisie, arrachée à la croix, soit relâchée dans le nom de Jésus. Amen. Élevons la voix. Père, merci. Nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la grâce de la guérison. La guérison de Sharabakato Ribaso Rabakate de Roche Rababakaya. Oh Rababa Shere Rosa. Tu as, Seigneur, tu as été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui donne la paix est tombé sur toi. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous prions, Père, que cette bonne nouvelle, Seigneur, soit communiquée, soit publiée. Seigneur, et que des multitudes soient guéries. Ces multitudes, que toute personne. Seigneur, tu as dit que tu veux faire de l'église un lieu. Ah, c'est comme une arche. Un lieu, une zone de refuge où toutes les malades, toutes les maladies sont guéries. Au nom de Jésus. Et sur la base de ta parole, nous prions, Père, au nom de Jésus, que dans toutes les églises Impact Saint Chrétien, au nom de Jésus, que toute maladie, tout malade, Makata, toute personne qui était malade soit guérie dans le nom de Jésus. Nous réclamons sa guérison par les meurtrissures de Christ Jésus à la croix. Oh, nous avons la foi. Tu dis que si deux personnes s'accordent pour demander à Chakarabakato quelque chose, tu le fais. Nous nous accordons pour demander la guérison de toute maladie, de toute infirmité au sein de ton église. Qu'on ne trouve personne, qui soit malade, souffrant, qui soit malade de quelques maladies qui frappent le monde. Et nous prions pour cela dans le nom de Jésus. Ça veut dire, Père, tu as dit, confessez vos péchés aux uns aux autres et priez les uns pour les autres. Et la prière du juste aura une grande efficacité. Nous prions que tu as dit la prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. En priant pour la guérison de toutes les maladies, nous prions aussi afin que tu amènes ceux dont la maladie était due, soit à des péchés, à des fautes, à des péchés cachés, non confessés. Père, nous prions que tu amènes à le réaliser et à reconnaître et à confesser afin d'être guéri. Marabakato Rabasha. Nous prions pour que ceux dont les maladies étaient dues au manque de pardon ou autre, nous prions dans le nom de Jésus que Père, tu leur accordes la grâce de pardonner, de libérer leur âme afin d'être guéri. Dans le nom de Jésus, nous relâchons cette grâce, Robakaya, de la guérison divine. Au nom de Jésus, Rabakate de Rosa, Yedenoroboshila Rababa, par le sang de Jésus. Fais parler le sang. Ayadarabos, fais parler. Anderebroso, Yanderebos. Ayedoros, Yanderebosha. Ayadarababa, Seigneur, fais parler le sang, nous te supplions. Seigneur, fais parler le sang. Durant ce week-end, fais parler le sang. Durant ce week-end, ce vendredi, ce soir, Père, fais parler le sang. Encore au travers de ces moments que nous aurons, Seigneur, une heure dans ta présence. Oh Seigneur, fais parler le sang. Fais parler le sang. Que la voix du sang se fasse entendre. Et que tout malade soit guéri. Que tout ce qui était faible soit fortifié. Que tout ce qui était dans les prisons, dans les cachots soient libérés. Que ceux qui étaient captifs soient libérés, délivrés dans le nom de Jésus. Recommandons pendant une minute, deux minutes, le programme de ce soir. Le programme de ce temps, une heure dans sa présence. Afin que réellement Dieu fasse parler le sang. Et recommandons le programme de ce week-end, le culte. Prenons juste quelques minutes pour recommander à Dieu. Recommander ses œuvres afin qu'elles réussissent, afin qu'il parle, afin qu'il exprime, afin que sa volonté soit faite au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prendre quelques instants là où tu es, mon frère, ma soeur, pour recommander? Recommande ces moments dans le nom de Jésus. Rababa Yararosha. Père, nous prenons, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Et nous te recommandons ce temps. Nous te recommandons ce moment pour ce soir. Nous te recommandons ce temps, ces moments de prière, ces moments, Seigneur, une heure dans ta présence, Seigneur. Des moments, nous prions que l'atmosphère, Seigneur, soit chargée de ta présence et que les vies soient libérées, affranchies, guéries, que tout malade soit guéri au son de la voix de ton serviteur, dans le nom de Jésus. Parle, alors que tu parleras au travers, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous te recommandons les cultes, nous te recommandons le culte de ce dimanche et tous les programmes. Père, que ta main de grâce, de faveur, de bénédiction soit posée au nom de Jésus et que toute la gloire te soit rendue. Merci d'inspirer ton serviteur, de le fortifier. Inspire, accorde-nous la grâce chacun de prier au-delà de ces moments actuels, de prier et de porter ces moments de prière pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Père, élevons-la au nom de Jésus. Amen. Amen, on va élever la voix et rendre à Dieu des actions de grâce.
pour la fin de ce moment qui n'est pas la fin de sa présence, et pour tout ce qu'il a, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a exaucé. Rendons grâce pour les cœurs, pour la parole qui va être plantée dans les vies. Rendons grâce de ce que Dieu, pour tout ce qu'il a dit. Rendons grâce pour la protection de son serviteur, sa famille, son épouse. Rendons grâce pour l'affermissement des âmes que Dieu a ramené. Rendons grâce de ce que Dieu a déversé, la grâce d'aimer la vérité, d'aimer sa parole. Rendons grâce pour tous les sujets, pour la guérison de toute maladie, au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as entendu, de ce que tu as exaucé. Seigneur, merci Père. Nous te rendons grâce. Merci. Comme Jésus pouvait lever les yeux et dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Père, nous te rendons grâce de ce que tu as entendu nos prières. Tu as entendu nos supplications ce matin et tu as exaucé. Voilà pourquoi, Père, nous proclamons que cette journée est une journée excellente, une journée productive, une journée efficace, une journée où aucune maladie, où aucun malheur, aucun fléau ne s'approche de notre tente. Nous proclamons la vie dans nos corps, dans nos êtres, au nom de Jésus. Nous proclamons que toute maladie est guérie au nom de Jésus. Nous proclamons que les captifs sont libérés. Nous proclamons que les esprits de séduction qui voulaient venir empêcher ton peuple de serrer, de garder ta parole sont neutralisés. Nous proclamons que les plans de l'ennemi sont renversés, les desseins des nations sont renversés. Les projets des peuples sont anéantis dans le nom de Jésus. Merci Père. Honneur, louange et gloire à toi, ô Père. Honneur, louange et action de grâce. Merci Père. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Nous t'acclamons Père, nous acclamons. Sharababashaya, merci. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus le Christ. Amen. Excellente journée dans sa présence. Que Dieu vous bénisse.